Pat c'est un gars de moto. Ah ouais! Hey, t'as-tu une moto, là, présentement? J'en ai une coupe, ouais. Arrête, t'as-tu... Moi, je... On est live. Moi, j'ai des... On est live, là? Ouais, là, on est revenu live. Ah, ben, Colin, c'est fou. Hey, désolé de mon décor de marde, là. On essaye de trouver une place dans la maison où il ça marche. Il a tout mis son argent dans les motos, astie. Moi, j'adore les motos, Dan. Ah ouais, puis c'est OK. Puis là, c'est quoi, mettons, celle que t'aimes le plus conduire? Eh hey boy! Ben j'ai une moto de route. J'ai une moto semi-trail, semi-route. OK, c'est quoi? J'ai une la semi-trail, semi-route, c'est une XT250 de Yamaha. OK! Qui est vraiment le fun parce qu'elle est pas chère, elle est le fun. Quand t'es sur la route avec, mettons, le vent dans le dos, là, tu peux monter jusqu'à peu près 120-130. Faut pas aller de même, par exemple. Mais elle, c'est une quoi? C'est une combien de CC? Elle, c'est une 250 CC. Oh, en fait, quand 250, tu regardes une moto... Tu peux faire 130 km avec une 250 CC. Oui. Tout dépend de la façon que ta moto est montée puis tout ça, mais c'est pas une moto de route. C'est une moto semi-trail, semi-route, mettons. Donc, la moto est plaquée, je peux aller sur la route avec, mais quand je vois un champ de blé d'Inde, je peux me tasser. C'est malade! Puis, ben, moi, ma blonde, elle a un chalet, puis je l'ai acheté il y a 2 ans à cause de ça, parce que moi, ma moto de route, j'ai une Ninja, moi, une Ninja 1000, qui est comme sport touring, mettons, tu sais. Ben, la plus sport des touring, mettons. T'as le touring sport, en estime. Ouais, c'est ça. Mais quand j'arrivais au chalet, là, je pognais la garnotte, puis tout ça, puis des bosses, puis là, j'étais pas à l'aise. C'est sûr. Là, ce qui est le fun avec ça, je me mets un sac en arrière, j'ai ma XT250, je capote, là, tu peux rentrer dans un trail avec ça dans le bois. Oh my God! Mes motos préférées, par exemple, puis ça, j'en ai des vieilles, puis j'en ai... nouvelle génération aussi, c'est ce qu'on appelle un trial. Je sais pas si vous connaissez ça, des trials. Allez voir vite fait sur Internet. C'est pas un motocross, c'est pas un enduro. C'est comme un trial, c'est comme ça existe depuis 1974. Ça a été inventé justement pour pouvoir. C'est comme une moto de bois. Passer dans les ruisseaux, tu peux passer par-dessus des troncs d'arbres. Il y en a à la télé, là, ce qu'ils font, c'est qu'il n'y a pas de siège sur ces motos-là. Les motos modernes. Ah, puis pas. Ils font des trucs d'habileté, puis tout ça, mais les vieilles motos. Des gros pneus, ça? Exact. Ben, des pneus, ouais, quand même assez gros. C'est toute la façon que c'est. En fait, c'est que ça a beaucoup de torque, donc ça a beaucoup de force. Pour être capable de grimper de la roche, puis grimper des troncs, puis grimper des montagnes. Moi, je m'en sers pour... Nous autres, on est une gang de trialistes. On est à peu près une douzaine. Puis on part... Cool, c'est malade. On va dans des pourvoiries, puis nous autres, au lieu d'aller à la chasse et à la pêche, tout le monde amène sa moto, puis on monte des montagnes. Mais un trial, quand tu peux être habile... Ah non, tu peux rentrer dans un bois sale avec ça, puis t'amuser. Puis... Fait que le trial, c'est... Mettons, les deux extrêmes, qui fait ça? Moi, je suis avec. C'est parce que j'ai des vieux trials, puis j'en ai un nouveau, nouveau 2016, puis là, j'ai un Beta Evo 250. Mais les vieux trials, c'est Yamaha qui faisait ça. Ils faisaient des TY. Ça s'appelle des TY 250. Allez voir ça. OK, ouais, moi, j'ai un 74. J'ai un 84, j'ai vendu un 78. Je suis un peu maniaque de ces vieilles motos-là. T'en as combien? Là, je n'ai vendu deux. Ben là, en ce moment, j'ai deux vieux trials. Puis j'en ai acheté un petit à ma fille, un 80 cc. Moi, j'ai un 250. Fait que j'ai quatre motos, mettons, de bois. Puis j'ai une moto de route, puis j'ai une moto... Moi, je capote sur les motos. Il n'y a rien que j'aime mieux dans la vie que de faire de la moto. Ça, c'est une question que j'avais pour toi. Tu sais, parce que moi, avec pour l'instant, j'ai mon char, j'ai le char à ma blonde, puis j'ai le tourbus. Puis là, je me disais, si j'achète un 4 roues, ça va être trop de gestion aussi pour les plaques. Chris, ça veut dire, toi, à chaque mois, il faut que tu replaques ou c'est-tu une fois par année? Tu payes tes plaques une fois par année, pas mal tout en même temps. Puis sinon, il y a ton père. J'ai un 4 roues aussi, j'ai un vieux 4 roues, là, un 2003.
J'ai un Grizzly 650. Yamaha aussi. T'as payé combien pour ça? Ça doit être 4000, 5000. Usagé, ouais, exact. Okay. À peu près, je pense que c'était 4005. Puis le gars, il avait mis un nouveau carbu dedans, mais c'est un carbu chinois. Puis on a eu des problèmes avec ça. Puis finalement, j'ai trouvé l'original. Là. Tu peux pas niaiser avec ça, le carburateur. Non, qu'est-ce, non. J'avais un problème avec le anyway, là, je tombe dans de la technique, là, mais j'avais de la misère avec le choke parce que le carbu faisait que la façon qu'il était conçu, le choke se rendait mal, le fil, en tout cas, bref. Mais sinon, là, j'ai trouvé un original. Ça va super bien, mais... Hey, ça va bien. Si tu fais pas de mécanique dans la vie, ce que moi, je fais pas, mais j'ai la chance d'avoir JF, mon voisin, qui est mécano à mort, là, mais si tu vas dans le bois avec ça, puis je t'entendais dire tantôt, on jasait là, avant d'être... Ouais. T'allais dire en onde, mais tu disais, j'ai peur de rester pogné avec ça. Si tu es seul, puis tu veux aller loin, puis tout ça, c'est sûr qu'il faut que tu te pognes une machine fiable, là. Ben sinon, tu peux revenir à pied en nuit. Je ne sais pas comment tu as peur dans le bois. Ouais. Mais ça peut être toute une expérience. mais c'est ça. Mais moi, je suis pas un gars de... Tu sais, j'utilise le 4 roues pour d'autres raisons, pour travailler, tout ça. Mais moi, j'étais un gars de moto. Un trial, je vous le dis, là, parler d'un gars vendu. Là. Un motocross, c'est ça, je le disais tantôt. Hey, c'est... Un trial, ça va pas sa route du tout. Hein? Non, ça, c'est des motos. Dans le bois. Mais tu peux traverser un rang, par exemple, mais tu peux pas... c'est ça. C'est comme mais tu fais pas de la route. OK. C'est le même principe. Si tu veux avoir une moto pour être capable d'aller dans le bois puis sur la route, c'est ce que je te disais tantôt, mais il y en a des... Ou un XL ou un Honda ou un XL Honda ou... Whatever. Moi, j'ai un XT parce que ça coûtait pas cher. C'est à peu près, c'est 5000 queues, une moto flambant neuve. Ah, ouais. Puis elle marche au bout, elle est confortable. Moi, je l'adore. Puis j'ai acheté ça pour aller une fois de temps en temps au chalet. Fait que je voulais pas m'acheter. Mais il y a d'autres compagnies qui en font des semi-routes, semi-trails que tu peux plaquer. Puis, c'est là, tu parles de 8000, 10000, 12000, ça n'a plus de fin. Tu sais, KTM, j'adore les motos KTM. Ouais, c'est hot. Mais Yamaha, c'est écœurant. Yamaha, c'est malade. Honda aussi. Yamaha, moi, j'ai un Kodiaq 450, mon 4 roues, là, ça va bien. J'ai jamais eu de problème avec ça. C'est malade. Puis j'ai des trails, qui passent à côté de chez nous l'hiver. Fait que je peux aller dans toutes les trails, mais là, je vais m'abonner l'an prochain. Là. J'ai hâte. Mais c'est sûr que l'été, je me promène sur mon terrain, mais j'ai pas. C'est sûr que là, je me cherche une moto. Mais moto. Si t'as déjà fait de la moto, tu viendras chez nous, Dan. Ah, je vais te prêter un trial. Et tabarnak! N'est pas un qui aime ça comme moi. Qui reste que j'aime ça, mon gars? Je capote là-dessus. Mais je veux juste expliquer, c'est important, la différence. Comme un motocross, c'est prime. Tu sais, tu passes là-dessus, ça avance. C'est un trial, c'est que tu peux être en première, mettons. Puis un trial en première, t'as même pas besoin d'utiliser la clutch. Là. C'est tellement le sprocket en arrière est plus gros, c'est guéré tellement fort que c'est fait pour avancer. Puis c'est pas pour aller vite. Puis l'enduro, lui, l'enduro c'est comme un peu, là, j'exagère, mais un peu entre les deux. T'as le motocross qui est bien prime, puis t'as l'enduro lui qui va être guéré plus bas, qui va être capable d'aller dans. Ça c'est mon prochain achat. Mais enduro, c'est pour aller dans le bois aussi. Pour aller dans le bois aussi, mais tu sais, tu peux pas rentrer dans un bois sale avec un enduro, puis c'est pas pareil. Chaque moto, moi je dis tout le temps à mes chums, là, si j'étais riche, là, j'aurais un garage avec 15 motos parce que chaque moto a son utilité, puis a ses forces, ses faiblesses. Puis, comme des guitares. C'est ça. Comme des guitares. Des guitares, exactement. Eh ouais. Puis quand je vais en voyage cool. avec ma blonde, mettons, on va se louer une Harley ou une BM. On a loué une BMW en Espagne. Oh, wow! Puis, tu sais, t'es allé à Vegas, un moment donné, on a loué une grosse Bertha là, pour faire Vegas. Puis, en tout cas, bref, je vais arrêter d'en parler parce que moi, je pourrais juste parler de ça. Ah, c'est une fois. Mais, tu sais, comme là depuis le confinement, quand t'allais au chalet à Tablon, c'est-tu là que sont tes motos ou sont chez vous? Non, sont chez nous, mon minute. Ben, ouais, sont chez nous. Fait que toi tu dois faire de la moto à tous les jours, de Saint-Cyr, vu que tu peux rien faire d'autre. Ben, ma Ninja est pas là, elle est ailleurs. J'ai hâte d'aller la chercher d'ailleurs. C'est juste qu'avec le confinement, on respecte les règlements. Là, elle n'est pas chez nous, fait que je veux pas aller voir, ça s'appelle François, je veux pas aller te voir, puis tu sais, elle est pas là, en tout cas.
Mais j'ai ma XT, elle est dans le garage, puis j'ai fait une ride avec il y a à peu près une semaine. Je suis parti avec ma blonde, il n'y a pas de danger, on est parti tout seul. Fait une petite ride autour de chez nous, on a fait un petit 2 heures, puis c'est ça, c'est malade. C'est je comprenais weird. Pas les gens qui parlaient de liberté que de moto, me disaient, c'est quoi le rapport hey. Que de moto puis la liberté, mais... Vraiment, vraiment. T'as le vent en face, quand ça sent mal, ça sent mal, quand ça sent bon, ça sent bon. Quelqu'un tond le gazon, tu le sens quand tu passes, il y a une petite pluie, il y a de l'humidité, c'est malade. C'est capoté.